Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Shyness, The Lightning Kingdom sur PC. La dernière fois on s'est arrêté ici après que... J'ai oublié son nom à l'autre, comment il s'appelle déjà. Après que Poki nous ait retrouvé, donc a retrouvé Shadow. Et on va tout de suite continuer le jeu là où on s'est arrêté. C'est rare de voir des monkeys sur Jendis, vous êtes perdu? Un peu, ouais, on s'est un peu écrasé. On va faire un petit tour de la zone quand même, un petit tour. Shadow, tu as la chance d'avoir un ami qui a su faire preuve d'autant de courage pour te retrouver. Ouais, ouais, mais si vous pensez ça, c'est parce qu'il ne vous a pas tout dit. Madame Rosalia m'a beaucoup aidé, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Rosalia, vous pouvez nous expliquer pourquoi tout le monde est si tendu, parce que niveau accueil, j'ai déjà eu mieux. C'est vrai, monsieur Cayenne a dit que vous étiez recherché, mais par qui et vous fiez quoi exactement? Du calme, honnêtement, j'aurais préféré que vous ne soyez pas mêlé à cette affaire. S'il vous plaît, dites-nous. Disons que je suis parti de chez moi en prenant soin que personne ne s'en aperçoive, visiblement je n'y suis pas vraiment parvenu. Votre explication est un peu vague. Plus concrètement, je pense être sous l'emprise de malédiction. Au point où j'en suis, mon dernier espoir repose sur les terres de vie. Cayenne a accepté de m'aider à les trouver, mais il souhaite d'abord me mener auprès du doyen de son peuple. De vie, c'est là qu'on va aussi. Ici, on y est ensemble. Doraki qui recherche les terres de vie, c'est surprenant. Je discuterai avec Cayenne, c'est premier. Mais pour l'instant, il a l'air assez préoccupé par la situation. Le fait de partir est souvent vu comme un signe de lâcheté. La vérité, c'est qu'il faut beaucoup de courage pour tout quitter. Tes paroles me vont droit au cœur. C'est vrai ça, il m'a fallu beaucoup de courage pour sauter de la salle. Je me suis dit, allez Poki, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu racontes, Poki? Ça s'appelle avoir une grosse trouille. Un truc, non. Je vais essayer de convaincre Cayenne d'accepter deux passages supplémentaires, surtout rester dans les parages, je ne voudrais pas partir sans vous dire au revoir. On compte sur vous, pas besoin de blablabla. Pour prendre de vos décisions, parle de Waki. A bientôt, madame. Certains ennemis résistent totalement à un chiche d'eau et sont sensibles à l'air, expérimentent trop les faiblesses des monstres. Ouais. D'ailleurs, on peut modifier nos stats? Ah non, ça monte tout seul apparemment. D'accord. Ok. On fait le tour du village. Donc sinon j'espère que vous allez bien, vous pétez à la ferme. Va passer même. Oh flûte. Les Shodal et soldats d'Aroya m'ont repéré lorsque j'étais à la gare centrale de Jendis. Mingane, ouais, je sais qu'elle a une mission pour nous.
Coquelicou, coquelinou, coquelinou, viens voir ton papinou. Pas à tout le monde. Petit coffre. Donc normalement ici c'est le panneau pour les bêtes. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? C'est pas là-haut quand même. Qu'elle doit être là-haut. Ouais. On va aller la voir tout de suite. Hein. Ce qu'elle nous veut. Ilfa Doniali, Mantara, nonu aj imun. Owebi o manfejlei, sandolipe Mantara o pue. Maliela kayen, le nago viupi ira, odikek plodo igu u otaleena doshi. Tino taleeni klotaidum ve shrayut leidue. Panu talfe iji manga, do yupi mas dania ni vueyu. Iwebi orunde? Anglo ish dan Mantara, e sureka yu le lilo perinash. Balo a conque! Nistinia di fala! Zue comantara fuse onao la otan ligre? Lai, ba anda no e camanta uida sua de glautan. Iwe pedig mu pilucho e lo wan naioba. Ili biange gesni wao. Montari wes darkoman e o don wao. Wes tas be wao? Govarjizak no landa adoria unigeo. Miliem yawa. Loba ayak mangue. Ni men wanya o ma wali preman. Loba takeda de hanol kawai tiris. Sak mantara sojep sa si hultu fo ma vi, Rosalia. Jikindali, lo wazulean. Merde!
Attendez, je vais recharger. Je voulais pas faire ça. Désolé. Moi que ça a sauvegardé quand j'ai pris. Ah non, oh là là. Je reviens au moment où on était tout à l'heure, je reviens. Baglian, et d'ailleurs quoi sen. L'obazolam awisurta. Kanglueni falibundi. Shado. Mawai eshaine sandol niawa no lupimentara. Lueni pa akrudeklia de kopsiuyo. Et Yamalenia nous a omis dans nos côtes à nos jalam. Runzi, nous qui vous chiouio. Si vous ibnosi? Oui, Runzi, Shadow. Je cobin. Clouania yen à la Wandun. Pas crude clopé à des coups chiouio. Yamalenia nous a si omis. Ouais, donc en fait on avait loupé qu'une ligne quoi juste avant. D'accord, là-bas leur entrée. Ok. On fait le tour un peu. Ok, rien. On va aller là-bas vers le nid. Vers le nid des cloquis. Enfin coquilles, pardon. On sauvegarde. On va essayer de voir ce qui est noté. Ah donc c'est comme ça qu'il fallait y aller. D'accord. Voilà. Ok. Ah, je vois où on est. Très bien. Très bien, très bien. Les coquilles, c'est là. Va être chaud. Non, non, non. Thank you.
Allez. Et voilà. Elle est bien. En F, mais c'est pas grave. On aura eu au moins. Ça, c'est un autre passage encore. Tant qu'on a les deux réunis, on va essayer de faire tous les passages pour voir. J'ai l'impression qu'on gagne trop d'XP maintenant sur eux. Alors, au moins ça permet de débloquer certains. Comment dire, certains objets de guérison, de tout ça. Essayez de voir quel côté on fait en premier. On va faire le côté basique, comme de... enfin... le chemin normal. Voilà, ça c'est fait. Non, par là-bas, il n'y a plus rien, mais on sait jamais. Rien, rien. D'accord, plus rien par là. En flûte, j'en ai eu aucun. Voilà. Bon, il serait rentré au village. Ok. Là, on va pouvoir régler en même temps ces deux engrenages. On va aller faire un tour le haut.
Voilà. On peut passer. Là, je suis niveau 6, j'avais pas vu, ça va bien exprès, hein. Supérieur. De feu, d'accord. On peut encore rien y faire. D'accord. Ouais, c'est pas un port tout de suite apparemment. Peut-être que si je trouve le chemin pour y aller. Le tour de la zone, hein. Pièce d'apéro. D'accord. Je sais pas quoi en faire encore de cet endroit. Bon, toi, on va déjà essayer de monter. Je sais pas ce que ça va rapporter. Je me demande ce que c'est que cette zone alors. Nice. Je me speed.
Nice. Objet d'équipement. Ok. Le sac NAD. Objet 1. Ouais. Voilà, ça c'est bon. On peut monter là. Ça m'étonnerait. Pour l'instant, on va passer par là. Cet endroit c'est fait. On va essayer d'aller voir là-bas. Alors comment on va pouvoir passer ici? Normalement je n'ai pas encore les options nécessaires pour le faire. Hein. Maintenant ça c'est fait. On va repasser par là. Puis on va passer par ici je crois. Ah oui, ici. Vous avez complètement oublié. Allez. Non, la vie, cela. Là, bon, on va aller après. Parce que c'est la quête principale. D'abord, retourner en arrière. On va retourner en arrière par là. On va aller prendre un tout autre chemin. Allez. Ah oui, moi je savais pas. Nice. On va prendre le chemin de Poki cette fois-ci. Donc par là-bas. Et on va aller au chemin où on avait au lieu de monter au village, descendre
pas par là déjà, mais on va quand même aller là-bas, on sait jamais si quelque chose. Non, si, c'est pas destructible ça, non. Je pensais. Maintenant, on va là-bas. Bon, on l'a déjà pris. Et au lieu de monter, on descend. On est tous les deux niveau 6 pour le moment, je pense que c'est assez suffisant. En plus, il fallait que j'aille lâcher, j'étais même pas au courant. T'es même pas au courant. Et c'est pas beaucoup, mais bon. Quand c'est du free XP comme ça, moi je dis pas non. D'accord, je me fais mal tout seul depuis tout à l'heure. Dernier. ...57 d'XP. Cela c'est hors de question, corps à corps. Voilà, par là-bas. Non, mais là j'y viens, je suis idiot, c'est par là-bas. Non, non, calme-toi, tu vas te calmer.
Voilà. Ouf. Alors, en B, bien sûr. Quand même, hein. C'est chaud. Ça sent d'être un ennemi, ça. Ouest. Ça semble être une quête plus tard, ça. Avec ces gros sabliers là. Oups. Ok, ça fait deux chiffres maîtrisés. Il y a des objets, un new, c'est quoi ça? C'est que c'est un PV, ok. Ok, ça c'est bon. J'avais déjà fait donc cette zone pour continuer. Étant un backer, j'ai un petit guide des... enfin j'ai un petit, petit emplacement des petit guide pour les emplacements des objets, donc voilà.
Alors, c'est bon, attendez, je reviens. Me revoici, désolé, je recevais beaucoup de SMS, je me demandais qui c'était. Alors, des objets? Ah, c'est pas des équipements aussi. C'est vrai que des objets de merde. J'étais pas censé avoir changé de. Équipement par rapport à ça? Non, on a mangé ça, ouais. Ah oui, c'est. Je suis idiot. Voilà. 31 d'XP. Alors, qu'est-ce que ça donne là-bas? Une zone, ok. Pas pour tout de suite, sûrement. Ok, Zuzu, dis Zuzu. rien par ici. Ok. Voilà. D'ailleurs, je me suis fait penser que là, le squelette de tout le début, on aurait pu l'affronter. Je sais pas si on peut le raffronter encore une fois. J'ai peut-être fait le mauvais choix. On regarde s'il y en a d'autres quêtes. Non, on va les rendre les quêtes qu'on avait prises. De toute façon, je peux regarder les quêtes, c'est simple. Ok. Voilà. Alors, je sais que j'ai débloqué des parchemins. Normalement, j'étais censé débloquer des parchemins. Oula, le glitch. Bizarre ça. Quoi ça, apprenti? Ah non, c'est un tissu, pardon. Je vais relire apprenti.
L'éveil de la terre. Chisson, fâche obscur. Ok. Donc ça c'est fait, on va les sauvegarder. Normalement il n'y a plus de quête annexe à faire pour le moment. C'est fait. Discipline illisible, d'accord. Ouais, soutien, objet. La discipline illisible est cachée où? Là voilà. Attendez, soutien. Non, on va mettre ça sur Poki pour le soutien. Voilà. On est paré pour y aller. Une vidéo un peu plus longue, c'est pas grave. Mais on fait tout ce que j'aurais voulu dans cette vidéo, moi. Par là-bas. C'est le seul moyen de passer de toute façon, je crois. Ouais, c'est le seul moyen. Ça c'est bon, ça c'est bon. Descendre. Voilà. De 1. Voilà. Ouh, je one-shot ça. Hop.
Oh non, on ira en fait là la prochaine fois. Ce qu'on va faire, c'est on va juste aller au magasin. J'ai même pas vu celui-là. Ah, donc on va pas tarder à s'arrêter là. On va juste aller au magasin à côté du village pour faire un peu le stock et ensuite on s'arrêtera là. Sauvegarde. Et on retourne donc là-bas. On va juste essayer de revoir là-bas en même temps, lui. Je sais pas ce qu'il nous veut, mais je sens pas bien. Non, y'a rien. Oh, ça c'est bien. Ok. Alors, on a un parchemin. Tiens, 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 ça me rappelait quelque chose. Je vais juste aller voir une dernière chose avant. Là-bas, il y avait une porte qui interagissait avec le chi de feu. On en a un actuellement, on va voir ce que ça sert, si jamais on peut l'utiliser. On améliore quand même un petit peu, hein. Un petit peu amélioré. Pour le moment, c'est le meilleur parchemin pour moi parce qu'il donne de la force basique. Enfin, pour mon style de jeu, je veux dire. Ici, est-ce que je peux le faire? Ah.
D'accord. Et donc, nous allons nous arrêter là dans la prochaine vidéo. On ira donc au chemin Chromisler, au quartier des Chromis pour pouvoir supprimer. Oh, attendez, ça d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, j'avais pas vu. Hein? Ah, d'accord. Ok, pourquoi pas. Donc, on va retourner en arrière là-bas. Et donc on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout de vous abonner à la chaîne, c'était Zotel pour acheter du bon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée et filmez les jeux vidéo.